Salut à tous et bienvenue pour ce 7e et avant-dernier épisode du Grand Tour NSTG partie 2. Aujourd'hui, nous partons direction Lille pour découvrir Olivier. Olivier est atteint de autisme Asperger et il va nous expliquer toutes les difficultés qu'il rencontre lorsqu'il joue à un jeu vidéo et les contraintes qu'il rencontre suite au développement de certains jeux. Nous allons également parler de Thomas, son fils qui devait à la base participer au documentaire et qui a eu malheureusement un empêchement, mais auquel nous avons beaucoup pensé. Et nous allons parler des difficultés auxquelles ils font face pour jouer aux jeux vidéo. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir ici dans ce joli parc à Lille. Donc tu as 48 ans, tu es un amateur de jeux vidéo. Alors même si ce documentaire est ciblé autour du jeu vidéo et de l'handicap, j'imagine que tu as plein d'autres passions, plein de hobbies dans la vie. Parle-nous-en un peu, qu'est-ce que tu aimes ? Alors en fait, j'aime l'informatique. Ouais. C'est ce qui m'a permis de... Enfin, j'ai découvert d'abord la console et ensuite l'informatique. D'accord. Puisque ça a été créé en même temps que moi, en fait, finalement. Les premiers ordinateurs sont arrivés quand j'avais 15-16 ans. Ensuite, à part l'informatique, rien d'autre. Ah. Tu n'es pas cinéma, tu n'es pas film, tu n'es pas... Alors si, je suis un peu film, un peu comme tout le monde, mais je suis pas sport, par exemple. Ouais. Voilà, le foot, basket, tout ça, je regarde aucun sport. Je fais du sport, mais je regarde jamais. D'accord. Donc c'était vraiment ciblé informatique. Ok. Voilà. Donc tu en plus tu as dû grandir avec, tu as dû voir l'évolution, voilà. Ça doit être une belle époque, de bons souvenirs. Ouais, donc j'ai récupéré en fait un ordinateur. C'est mon père qui m'a ramené un ordinateur de son travail, ouais. Qui ne fonctionnait plus, avec son patron qui était persuadé que j'allais pas pouvoir le remettre en marche. Et puis finalement, au bout de quelques mois. Il a démarré sous Windows 3.1. Et tu avais quel âge ? Alors, je devais avoir 17, 16 ou 17 ans, 18 ans dans ces eaux-là. Ah, et tu as appris tout seul ? Alors, en fait, je faisais des allers-retours à Auchan, au centre commercial. Je lisais les bouquins sur l'informatique. J'apprenais l'auto-exébat, c'est un programme qu'il y a dedans. Voilà, je notais tout ça, soit sur un papier, soit sur mon bras, ouais. Directement. Et ensuite, je rentrais chez moi et je retapais tout ça dans les fichiers. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'imagine que ton travail tourne autour de l'informatique ? Alors, ça a été depuis mes 20 ans jusqu'à dernièrement, j'étais dans l'informatique. Ouais. J'ai réussi à travailler pour des grandes sociétés, ouais. Dont Sony. Oh. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la fonction publique. D'accord. Donc, je suis parti dans la fonction publique pour avoir une stabilité. D'accord. D'emploi. Ouais. Voilà. C'est plus stable, c'est plus sûr. Et du coup, ça va engendrer sur ma question. Donc, on peut être atteint de syndrome d'autisme et avoir parfaitement un travail. Ou est-ce que, selon il y a plusieurs stades et selon les stades, ça peut être vraiment compliqué ? Alors, selon les stades, oui, ça peut être compliqué. Je pense que, par exemple, pour Thomas, ouais. Je pense que ça sera un petit peu plus compliqué pour lui. D'accord. Pour moi, il suffit de ne pas le dire. Ok. Même si après, on,
on a des rumeurs sur notre façon d'être, notre caractère, et on pense que c'est un caractère qu'on a difficile ou non difficile, une timidité ou même une agressivité. Ouais. On peut ne pas le dire. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Ouais. Je ne le dis pas. D'accord. Alors, tu as parlé de Thomas. Peut-être que vous connaissez Thomas. C'est ton fils qui a donc maintenant 14 ans. 14 ans. 14 ouais. ans, qui est lui aussi atteint d'autisme Asperger. Ouais. On devait voir Thomas. Malheureusement, on s'est mal entendu sur les dates. Donc, on te fait un gros coucou, Thomas. Et ce n'est que partie remise parce que voilà, on avait vraiment envie de vous voir tous les deux. Mais c'est par rapport à lui que nous t'avons connu parce qu'il a fait un article exceptionnel sur qu'est-ce que l'autisme Asperger sur le site Xbox Quad. Et dans la description de la vidéo, on vous mettra cet excellent article. Et du coup, ça va m'amener à parler de ça. Qu'est-ce que l'autisme Asperger ? Alors, l'autisme, en fait, Asperger, moi, je vais le prendre, en fait, comme une timidité. D'accord. Pour moi, ça serait plutôt voilà, une grosse timidité qu'on n'arrive pas à gérer. Ouais. Et donc, ça prend... cette timidité n'est pas forcément envers les gens. Mmh. Elle est envers tout ce qui nous entoure. Donc ça peut être les voitures, ouais. comme on entend là actuellement, mm-hmm. qui moi me gêne en fait, me dérange. Le bruit excessif dérange. D'accord. Le regard des gens dérange. Puisqu'on pense toujours que les gens puissent voir en fait qu'on est mm-hmm. Asperger ou DMC5. DMC. Voilà, c'est. Alors moi je suis, comme j'expliquais tout à l'heure, moyen. Puisqu'on a des phases comme ça, enfin, c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Donc moi, je suis moyen, mais après en vieillissant, forcément, on arrive à se contrôler, ouais. on arrive à prendre le contrôle sur ce syndrome. Donc ça se voit moins, on trouve des artifices pour se cacher, ce qui est plus difficile quand on a 10 ans, 11 ans, oui. 12 ans, 14 ans, et quand on arrive dans l'adolescence. D'accord. Donc tu nous as parlé de DMC5, en fait, c'est... des associations et tout ce qui tourne autour de l'autisme qui se battent un peu pour ne plus appeler autisme Asperger mais DMC5. Voilà, donc en fait donc DMC5 ça sera vraiment considéré comme le syndrome Asperger. Ouais. Donc il y aura forcément le DMC4, etc. En fait ils veulent arrêter en fait le nom Asperger parce que c'est lié en fait à un médecin nazi. D'accord. Qui avait fait des expériences sur les personnes atteintes d'autisme en général. Et donc plusieurs associations de France sur l'autisme veulent en fait transformer et que dans les prochaines années on appelle ça DMC5, mm-hmm. qu'on arrête de dire Asperger pour éviter de mettre une corrélation avec nazi, ouais. le régime comme ça nazi. Je pense qu'il faudra quand même continuer à dire Asperger plus DMC5 pour bien qu'on, pendant quelques temps, je pense, ouais. le temps qu'après ça s'efface tout doucement. Oui, parce que ça fait maintenant un bon nombre d'années que les gens ouais. sont habitués. Et quelle est la différence entre un autiste normal et un autiste Asperger ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Est-ce que... Alors, en fait, un autisme... Celui qui va être autiste, il est vraiment dans son monde. Ouais. On va dire qu'il est, il est dans un monde virtuel, mm-hmm. qui n'est pas le nôtre, d'accord. dans une autre dimension. D'accord. Il va vraiment refuser le toucher, voilà, etc. C'est un petit peu plus compliqué, je pense, autiste. Ouais. C'est pour ça qu'on a bien fait une différence entre autiste et DMC5. D'accord. Puisque... On va dire que l'autisme, c'est fort, voire même très hyper fort, ouais. hyper fort. Et qu'il y a des paliers. Mm-hmm. Et plus on descend, plus on arrive vers l'asperger. D'accord. En fait. Et ça se voit beaucoup moins. Ok. C'est déjà ça. Voilà. Ouais, c'est un syndrome. Mais pourquoi à la base, parce que tu me l'as expliqué, dans les années 80, à ton époque, c'était hyper complexe, c'était vraiment, il n'y avait pas la différence entre autisme et Asperger, vous étiez tous mis dans la même catégorie et vous étiez tous, il n'y avait pas d'aide. Et là tu me disais que Thomas, avec les réseaux sociaux, il a fait de belles rencontres, toi tu étais livré à toi-même. Alors en fait on était dans les années 80, on était handicapé. D'accord. Voilà, il n'y avait pas de,
Alors, on parlait d'autisme, même d'Asperger, mais on était handicapés. On était, voilà, c'était, on mettait tout dans le même panier. On était handicapés, on était, alors je ne sais plus comment on disait exactement, comment on dit, hors social, complètement des gens séparés. Moi, on voulait me mettre dans un collège, arrivé en CM2, on voulait me mettre dans un collège avec des enfants qui étaient en difficulté scolaire. Ouais. Je n'étais pas en difficulté scolaire. Ouais. Moi, j'avais 19 de moyenne. Ah oui. mais on voulait me mettre, malgré tout, dans ce collège qui était pour des gamins en grosse difficulté. On appelait ça des sauvageons en ce temps-là. Mmh. Et on voulait mettre à tout prix dans cette école-là. Ouais. Où des enfants, où ces enfants-là avaient plutôt des difficultés, étaient tournés plutôt autour de 3 ou 4 de moyenne. Ouais. Et on voulait mettre là-dedans. Et c'était même ce qu'on appelle toujours... on dormait sur place, en fait. C'était, alors que c'était à 500 mètres de chez moi. Ah oui, donc tu devais y aller, tu n'avais pas le droit de sortir. T'étais... Voilà, on sortait le vendredi. Alors, je ne suis jamais allé. On a été visité. Et puis ma mère, en fait, a tapé du poing sur la table pour pas que j'aille... Alors, j'ai rien contre ces enfants-là. Ils, oui. ils ont eu des difficultés qui leur est propre, mais j'avais rien à faire là-dedans. Oui, il ne faut pas tout mélanger. Alors, je pouvais peut-être leur apporter certaines choses, oui. Mais peut-être que ça allait, moi, me baisser... Oui, ça n'allait pas être bénéfique pour toi. Ça n'allait peut-être pas être bénéfique pour moi, ouais. Du coup, donc, on va enchaîner sur notre principal sujet, ce documentaire. Donc toi, tu l'as connu vis-à-vis de Thomas, c'est lui qui t'en a parlé ? Alors, oui, c'est Thomas qui en a parlé. Enfin, Thomas parle beaucoup, un peu comme moi. Enfin, il parle moins avec les gens, mais il parle beaucoup avec moi. Ouais. Et c'est lui, en fait, qui, en tweetant, que ce soit en tweetant ou en regardant, c'est lui, en fait, qui... quand on est dans le canapé, c'est lui qui me raconte ce qu'il voit sur Twitter, ce qui se passe sur Twitter, et qui me raconte et qui m'explique, et ça nous permet d'avoir des discussions. D'accord. Voilà. Et là, donc, il t'a dit, eh ben, y a trois mecs, ils ont fait le Tour de France à la rencontre de joueurs, différents joueurs. Comment ça s'est passé ? Moi, ça m'intéresse de savoir comment... Alors, lui, en fait, il prend tout à cœur. Même si ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo, dès que ça lui prend au cœur, il parle, il explique, il raconte. Ouais. Alors, je vais avouer que on écoute sans écouter, parfois, parce qu'à des moments, c'est un peu, ça nous lasse. bon, là, tout ce que j'ai compris, c'est que voilà, quelqu'un faisait un Tour de France, et toi, tu viens à la rencontre des gens. Donc voilà, j'ai bien compris ça. J'ai bien remarqué la voiture. Il m'a montré en photo la voiture. Mais c'est vrai que je me suis pas super intéressé. J'entendais comme ça des brides d'informations sur le Tour de France. Et tu venais à rencontre de joueurs. Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que Twitter, c'est très. On ne connaît pas les gens. Ouais. On connaît. Certains n'ont même pas de photo de profil. On ne voit même pas la tête de la personne. Donc, je pouvais trouver ça intéressant de voir les gens en vrai. Ouais. Voilà. C'est ce qui m'a plu en premier. Ouais. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit. C'est vrai que les interviews, c'est très bien. Parce que ça met en avant des personnes, ça les aide. Il y a peut-être des personnes qui sont timides et qui n'osent pas. Mais on s'est dit que pour parler de différents types de handicap, voire de syndrome, ben, il faut aller à la rencontre de personnes, au contact, et le montrer, en parler. Alors il y en a qui n'osent pas, il y en a qui au contraire, avec ce documentaire, ont osé et qui maintenant ne le regrettent pas. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment intéressant. Et je me rappelle Thomas qui était venu, il m'avait envoyé un MP, il me semble, pour me parler et me dire qu'il était autiste. Et c'est là que je l'avais appris. Puis après, j'ai lu son article, le site sur lequel Thomas a fait un article, on en a déjà parlé, qui est incroyable, qui est très long, qui est extrêmement bien écrit et que tu nous as dit qu'il a écrit tout seul. Ouais. Donc voilà, rendez-vous compte quand même. Il est jeune, donc à l'époque, il avait 13 ans. 13 ans, ouais. On peut parler de travail journalistique parce que lorsque l'on regarde l'article, il est, comme on l'a dit, très long. Il y a des articles qui nous perdent, on va les lire, on va passer 2-3 lignes. Là, celui de Thomas, on le lit de A à Z, on est pris dedans. Il y a, comme tu l'as dit, certaines formes de répétition, mais c'est lui qui l'a écrit à 13 ans. Moi, je ne pense pas qu'à cet âge-là, j'aurais été capable d'écrire quelque chose. Donc, dans la description de la vidéo, on vous met l'article parce qu'il est vraiment fort. Et Thomas, on pense à toi. Toi, du coup, tu nous as dit que tu étais aussi en train d'écrire un article similaire. Voilà, en fait, l'article de Thomas m'a plu aussi. Mmh. Je suis incapable de le lire. Enfin, il m'est arrivé de le lire à des amis, mais il y a certains passages qui sont très compliqués pour moi, à lire. Et,
Et j'ai posé simplement la question à Fab si ça l'intéresserait d'avoir un article avec ma version des années 80, de l'autisme, mmh. et des années 80, et ma version même aujourd'hui d'adulte. D'accord. Voilà, par rapport à Thomas. D'accord. Puisque Thomas n'a pas parlé, enfin n'a parlé que d'un jeune de 13-14 ans, mmh. Et de ce que lui rencontre aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce que moi j'avais pas en ce temps-là. Ouais, avec le bon et le mauvais côté des voilà. réseaux sociaux. Tu nous disais que justement, toi, là, c'est l'une des premières fois que tu parles de ton autisme à toi. Alors, nous, c'est un peu la petite exclusivité, même si le temps que le documentaire arrive, tu auras sorti sans doute ton article sur Xbox Squad. Mais jusqu'à maintenant, tu n'osais pas en parler. Enfin, comme tu disais, tu te caches un peu, tu n'en avais pas parlé, alors que Thomas, lui, a rapidement parlé. Ben, je pense que c'est les années qui veulent ça. Je vais en venir, par exemple, sur les personnes homosexuelles. Ils se cachent plus. Ils n'ont pas à se cacher. Mm-hmm. Ils disent, ils font ce qu'ils veulent et ils sont libres. Exactement. Je pense que Thomas, c'est pareil. Thomas, il est dans une génération où on dit. Mmh. On dit ce qu'on est, on se présente. Après, bon, les gens le prennent correctement ou pas correctement. Moi, j'étais dans une génération où on devait se cacher. Ouais. Voilà. Chaque personne fonctionne comme il a envie. Comme il a envie. Voilà. Moi, j'ai décidé de le cacher. D'autres amis ont décidé de le dire. J'ai préféré le cacher. Et c'est vrai que c'est... on va dire la deuxième ou la troisième fois que j'en parle. Ouais. Puisque Thomas en parle de moi sur Twitter, mais c'est vraiment, enfin sur Twitter et puis sur l'article. Ouais. C'est très c'est rapide, c'est court. Ouais, il nous disait que ça fait 48 ans que tu joues voilà. la Game Boy, que tu as une grosse. Et il parle de mon autisme aussi, puisqu'à un moment il parle qu'en fait je lui ai partagé que dans notre vie en fait je lui ai partagé deux choses. Je lui ai partagé le goût pour les jeux vidéo et pour la Xbox surtout. Mmh. Et que malheureusement, je lui ai aussi partagé mon syndrome, puisque c'est moi qui lui a transmis. D'accord. Et du coup, c'est vrai que tu nous disais, tu as travaillé chez Sony. Il le vit comment, Thomas, de se dire qu'il est fan d'Xbox et que papa, il a travaillé chez Sony? Bah, disons que y a des moments où on a besoin de travailler, ouais. hein, qu'il faut de l'argent qui rentre. Je faisais beaucoup de force de vente en ce temps-là, en informatique. Ouais. Et puis j'ai eu en fait je travaillais en ce temps-là donc à la Fnac. Ouais. Donc je faisais ce qu'on appelle des forces de vente à la Fnac pour vendre donc des produits X voilà. Et il y a un monsieur qui est venu se présenter et qui m'a posé des questions sur le rayon donc sur la PlayStation 1 en ce temps-là. Ouais. Donc je pensais que c'était un père de famille qui me demandait ouais. à quoi sert ça, pourquoi Tomb Raider, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je lui ai expliqué, il a vu que j'étais complètement enthousiaste ouais, sur le truc. Et donc voilà, il m'a sorti la carte comme quoi qu'il travaillait pour Sony en entraînement en ce temps-là. Là, voilà. Et m'expliquait qu'il cherchait après des vendeurs voilà, pour faire de l'avance de vente pour la PlayStation 1. D'accord. Puisque je crois que c'était la. Je sais plus si c'était la Saturn ou. Voilà, Saturn, je crois qu'il était en. À l'époque, ouais, à l'époque en combat, en concurrence. Et la Super Nintendo, puisque la Nintendo 64 n'était pas encore sortie, ouais, était en retard. En 97, voilà. Ça, il me semble. Ouais. Et donc, voilà, je me suis retrouvé. Alors, j'ai failli ne pas être pris, en fait, puisqu'ils ont trouvé que j'étais trop fan de la PlayStation, trop fan de Sony. Ils pensaient que j'allais saouler les gens, en fait. Puisque moi, j'ai tout sorti, hein, le ouais. nombre de couleurs, la carte graphique, le microprocesseur. Tu connaissais ton domaine sur le bout des doigts. Bon, finalement, j'ai quand même travaillé plusieurs mois pour Sony. D'accord. Voilà. Et Thomas, il en pense quoi de ça? J'ai mis un petit peu de temps avant de lui dire ça. puisque bah de toute façon, dès que Sony a commencé à parler de la PlayStation 2, dès que j'ai vu des contradictions sur ce qu'il disait et sur certaines choses qui étaient dites dans les magazines, très vite, je me suis fait mon idée sur la PlayStation 2. Mm-hmm. Comme quoi que ça n'allait pas être ce qu'on nous promettait. Ouais. Et puis j'ai commencé à voir Microsoft qui s'est lancé dans l'aventure et puis je suis parti sur Microsoft. Je trouvais qu'ils étaient plus honnêtes. Mm-hmm. Et puis après, bah, quand on a vu les premières images et quand je l'ai vu en vrai, bah, voilà, ma décision a été prise. Voilà, le coup de cœur complet, total. Donc un coup de cœur qui dure maintenant depuis donc, c'est la 15 ans. 15 ans, voilà. C'était en 2003 la Xbox. Voilà, là je suis à 13 ans d'Xbox Live. Ah oui. Avec le petit macaron de 13 ans. Ah oui. Donc l'âge de Thomas. L'âge de Thomas, mais 15 ans.
Ok. Voilà. Belle aventure. Belle aventure, ouais. Et du coup, ça, ça va nous permettre d'aller vers le jeu vidéo, de parler un peu de tout ça. Donc, tu as connu plein de consoles. La Game Boy, Thomas disait, tu avais la Dreamcast. Alors en fait, j'ai eu toutes les consoles. Toutes les consoles, ah ouais. Ouais, j'ai vraiment eu toutes les consoles. Le souvenir le plus lointain, alors je vais pas expliquer le vrai souvenir le plus lointain, je vais parler de mon petit voisin qui s'appelait Olivier aussi, qui avait eu la chance d'avoir une Atari ou un Atari dans son garage, ah ouais. Avec le fameux Pong, voilà. Et c'est vrai que je me disputais avec lui pour aller jouer en fait, parce que moi j'avais pas de console à la maison, et j'avais tendance à trouver n'importe quelle excuse pour aller jouer. Et je me souvenais même que pour changer de chaîne en ce temps-là, c'était avec un tournevis. Et si on faisait mal la manipulation, on se prenait un coup de bourre. On se prenait un coup d'électricité parce que la télévision était tellement vieille, ouais. Qu'on se prenait un flash. Et je pouvais jouer des heures à ce truc-là, quoi. Des heures. Spong, hein, pour ceux qui le connaissent, parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, c'est deux barres. Avec on se lance une bille et voilà, c'était mais là vraiment le précurseur du jeu vidéo, quoi. C'est vraiment avec Pong que quand même ça a pris une ampleur. Ouais, après je suis parti beaucoup sur l'arcade avec l'arrivée au collège et les cafés, les bistrots où il y avait encore des machines d'arcade. Après ça a été beaucoup arcade, moi. Ouais. Avant d'avoir la possibilité d'acheter des consoles. C'est avant que maman accepte déjà. Oui. Voilà, d'avoir une console à la maison et puis d'avoir l'argent. Ok, ouais, voilà. Parce que c'était comme aujourd'hui, c'était une sacrée somme. Voilà. Du coup, dans ta petite introduction, tu nous disais que les jeux qui avaient un peu marqué ta vie, c'était XCOM, qui est un vieux jeu, hein, parce que tu nous parlais de la toute première version de XCOM avec les temps de chargement infinis, et Astroneer, qui est lui plutôt un jeu récent. Pourquoi ces deux jeux-là? Alors, en fait, je ne sais pas si c'est propre en fait, à ceux qui sont atteints d'autisme ou de DMC5. On aime bien les jeux de construction, ouais. On aime bien les jeux un peu comme Minecraft, ce qu'on appelle les bacs à sable, ouais. Et on aime bien les jeux où il y a réellement une histoire, où je sais pas, je pourrais dire une histoire où il y a quand même, où on réfléchit en fait. C'est vrai que les jeux bourrins, on va dire entre guillemets, les jeux de guerre un peu bourrins, ouais. C'est pas trop notre truc en fait, ouais. Alors Thomas, il aime bien Halo. C'est le seul en fait FPS, ouais. Qu'il aime en fait, avec Fortnite. Mais ouais. Je vais éviter de parler Fortnite parce que je déteste ça. Ah, mais on est très proche des jeux comme ça, bac à sable et Astroneer. C'est de la découverte, c'est de l'archéologie spatiale. C'est en plus on l'a suivi depuis le début. Ouais. Donc on a eu les premières versions qui étaient buggées de ouf. Ouais. On attendait quotidiennement et semaine par semaine les mises à jour pour voir le changement. Et puis c'est marrant qu'à 48 ans, en fait, je me suis aperçu de la construction d'un jeu vidéo. Ouais. C'est là, avec Astroneer, tu t'es rendu compte. Et je pense qu'il y a un lien qui s'est fait avec ce jeu. Parce que le fait de l'avoir enfant, ouais. Et de l'avoir maintenant en adulte, en version finale et en version gratuite sur le Game Pass. Ouais. Et là, voilà. tu l'as vu, oui, là maintenant tu prends un plaisir. Je prends un plaisir, oui, et puis j'ai eu la chance aussi de sur Twitter, parce que je tweete en fait sur le compte à Thomas. Par moment je tweete, je signale, il y a des moments que c'est moi ou des moments que je ne signale pas. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois communiqué avec les gens d'Astroneer. Ah ouais. Parce que je mettais beaucoup de choses, parce que j'expliquais beaucoup de choses. Ah, c'est bien ça. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir juste un j'aime en fait par les développeurs. Voilà. Ah, c'est génial. Et du coup, alors, j'imagine que, comme tu l'as dit, hein, tu as une grande carrière de jeu, tu as d'autres jeux qui ont marqué ta vie ou qui actuellement te marquent. Tu nous as parlé de Minecraft justement, je pense que tu y joues un peu avec Thomas. Voilà, donc on y joue à deux, on crée actuellement un village médiéval, ouais. Médiéval futuriste. Alors on est fan de Stargate, ouais. Donc on est parti sur médiéval avec, voilà, avec un peu de futuriste. Ça fait un petit moment qu'on joue, ça doit faire 4 ans je crois qu'on est en train de créer ce... 4 ans sur la création de ce village. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça va être quelque chose. On a fait plusieurs. Voilà, c'est un travail de dingue, ouais. qui est pas trop apprécié par maman. Ouais.
Mais c'est vraiment, voilà. Et puis là, il faut vraiment faire de la construction totale. Ouais. C'est... Alors bien sûr, on prend des idées sur YouTube, on prend des tutos sur YouTube et on reconstruit à l'identique ce qu'on nous dit. Ouais. Et on améliore au fur et à mesure. Ah, ça doit être fou. Voilà. Est-ce que le développement de certains jeux peut gêner un joueur autiste? Est-ce qu'un joueur autiste va être dérangé sur certains jeux? Je sais que Thomas, dans son article, disait qu'il avait un peu du mal avec le jeu comme Red Dead, GTA, parce qu'il avait tendance à se perdre, qu'il ne comprenait pas. Est-ce que c'est ton cas pour toi? Alors, on a des difficultés à se repérer. Donc, même dans la vie, une rue est une rue. Ouais. Voilà, une rue est une rue. On la prend dans un sens, on la prend dans l'autre sens, on ne sait plus où on est. D'accord. Et donc, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Multiplié. On va même dire multiplier. Donc c'est compliqué, même dans GTA ou dans Red Dead, c'est compliqué de se retrouver et on va passer plusieurs fois devant la rue ou devant la chose qu'on doit aller trouver. Et on va tourner en rond, ce qui forcément nous frustre. Ouais. Et donc on arrête. D'accord. Voilà. Donc on arrête quasiment le jeu, puisque c'est trop compliqué. Je le ressens dans Astroneer. D'accord. C'est... Alors, on se fait violence parce qu'on adore le jeu. On adore le jeu. Donc, on se fait violence et on tente. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'on met énormément. Enfin, on met plus de temps, on va dire, que quelqu'un d'autre qui va torcher le jeu très rapidement ou faire des missions rapidement. Nous, on va caler temps. Un petit peu. Ouais. Voilà, on va. Et dans Minecraft, du coup, parce que si vous êtes en train de créer des villes, comment ça se passe? Ah, dans Minecraft, c'est nous qu'on décide. Ouais. C'est pas le jeu qui décide pour nous. C'est ça qui est intéressant. En fait, vous arrivez à vous... Il nous dit pas d'aller à tel endroit et de faire ça. C'est nous qu'on décide de faire l'église à cet endroit-là, la maison à cet endroit-là, d'accord, dans la couleur qu'on veut, en changeant ce qui nous plaît pas sur le tuto ou la vidéo d'origine. Donc c'est complètement différent. Et du coup, j'ai un truc qui me vient en tête là. Tu dois avoir ta vision des choses, Thomas, dans la sienne. Comment vous arrivez à vous coordonner pour que... Alors en fait, on fait chacun sa maison. D'accord. Et ensuite, on compare nos maisons et on va voir ce qui nous plaît chez lui ou chez moi. Ouais. Je lui dis ce qui ne me plaît pas et je lui change sa maison s'il faut. Ouais. Et par moments, je trouve qu'il a créé des choses sympas et donc je reproduis sur d'autres. D'accord. L'inconvénient sur Minecraft, c'est que c'est perpétuellement en construction. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient, dès qu'on a trouvé quelque chose de sympa, on va le refaire sur d'autres maisons qu'on a créées il y a 2 ans. Eh oui. Et donc... Finalement, c'est éternel en fait comme jeu. On finira jamais ce jeu en fait. Bah, vous le finirez jamais. On finira jamais. Du coup, est-ce que tu penses quoi de l'accessibilité dans le jeu vidéo? Alors, au niveau de l'autisme, mais aussi plus généralement de l'accessibilité en lui-même. Microsoft a clairement lancé les choses. On espère que PlayStation, Nintendo, c'est même sûr qu'ils vont s'y mettre. Mais est-ce que tu penses que ça avance certainement vers la bonne direction? Mais est-ce que tu penses que ça va assez vite? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire? Alors, au niveau de l'autisme, on a la chance, entre guillemets, d'avoir quasiment tout de suite eu les accessoires pour mieux vivre notre syndrome. D'accord. Le fait de mettre un casque, rien que le fait de mettre un casque, pour nous, c'est déjà appréciable. Ouais, comme ça, vous êtes coupé de... Voilà, on est coupé du monde, on est dans le jeu. Voilà, le casque, c'est important. D'accord. Pour moi, comme pour Thomas, c'est le casque, c'est ce qui nous a... Nous, on n'a pas besoin d'avoir une manette, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. On est un peu perdu. C'est vrai que quand il a commencé à avoir énormément de boutons sur les manettes, on a été perdu au début. Mais on fait comme tout le monde, on s'y adapte. Et très vite, on s'adapte aux jeux vidéo comme n'importe qui. Dans les Assassin's Creed, on s'adapte tout doucement. On met peut-être un petit peu plus de temps. Mais on s'adapte. Nous, pour nous, c'était le casque. Maintenant, c'est de trouver un casque qui nous correspond, ouais, puisqu'on aime, on n'aime pas forcément avoir quelque chose aussi sur les oreilles, puisqu'on n'aime pas trop qu'on nous touche. Oui. On n'aime pas trop le contact. Mmh. Donc, il faut trouver un casque qui ne serre pas trop les oreilles, qui enveloppe bien l'oreille. Très léger, qu'on ne sent pas. Léger ou lourd, selon ce qu'on aime. Ouais. Voilà. On n'a pas la possibilité de les tester, ouais. malheureusement. Si, c'est à la FNAC, je crois qu'on peut tester. Voilà. Donc, au niveau accessibilité, ça serait bien qu'on puisse tester réellement le casque et peut-être même de faire, pourquoi pas,
par exemple pour Microsoft, Sony ou Nintendo, parce que je sais que le sel, par exemple, fait les PEGI 3, PEGI 1, ça serait bien d'avoir validé un petit astérix qui dit qu'on valide... Pour les autistes. Voilà. Pour... Après, c'est tellement compliqué. Parce que moi, j'aime bien quand c'est très lourd. Thomas, il préfère quand c'est léger et il préfère avoir une oreille de libre. D'accord. Par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Parce que lui, il aime bien avoir aussi l'ambiance de la maison à côté. D'accord. Ah ouais, et là, ça doit pas être facile. Alors que moi, je préfère être complètement dans le jeu. Dans le jeu. Donc, tu me disais que tu avais une petite anecdote qui va intéresser bon nombre de joueurs. Parce que cette anecdote, c'est avec un monsieur, alors je ne sais pas si vous connaissez, Phil Spencer. Il n'est pas trop connu dans le monde du jeu vidéo, mais... Non, pas trop, non. Explique-nous. Un jour, donc on entend parler de Phil Spencer, qu'on connaît depuis un petit moment, puisque on suivait sa carrière et la carrière de tous les autres avant Bill Gates, etc., etc., depuis le début de l'Icebox. Un soir, Thomas a eu l'idée de lui envoyer un email. D'accord. Donc pas un email sur l'adresse email qu'on connaît sur Internet et qui est disponible pour tout le monde. Il a fouillé, il a essayé de trouver une adresse email un petit peu plus difficile à trouver. Il a mis 2 minutes, hein. Tout le monde peut la trouver en fait finalement. Alors soi-disant que c'est une adresse email personnelle extrêmement difficile à avoir et on l'a trouvé en 2 minutes. En 2 minutes. Quand on veut, on peut. On peut. Et donc il a envoyé un email à Phil Spencer brut en anglais avec son niveau d'anglais. Ouais. En expliquant voilà, qu'il s'appelait Thomas, qui était fan de l'Xbox, que c'est moi qui lui a donné le virus de l'Xbox. Voilà, il a dit, alors je ne sais plus exactement son email, mais il a parlé de plein de choses, de sa vie. Il a expliqué que là, il y avait eu des difficultés en primaire et qu'il a dû faire l'école à la maison pendant près de 2 ans avant de retourner au collège. Ouais. Et puis, les semaines passent, on reçoit un email de Phil Spencer. Oh, génial. Et on est surpris, on pense au début que c'est un email automatique, un truc standard. Et là, on remarque certaines choses avec ma femme, on remarque que c'est, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de ponctuation, tout est brut. On sent la personne qui était dans son canapé, qui a reçu un email, et qui répond, parce qu'il y a 2 minutes, là, en attendant que le poulet y ait cuit, et il répond, mais brut. Et il y a des fautes d'orthographe, c'est un peu comme ça. Voilà, et il nous explique tout simplement que c'est bien de jouer, mais que c'est bien aussi d'aller se promener. Donc il nous explique qu'il fait de l'équitation avec ses filles, qu'il va faire du vélo avec ses filles, et que c'est bien de ne pas faire que de la console de jeu, et d'aller aussi profiter de la vie et profiter de ses enfants, et que jouer avec ses enfants à côté, c'est aussi partager quelque chose qu'on dira plus tard, quand il y aura 30 ans, 40 ans, à ses propres enfants. Donc sur le moment, on est un peu... On se demande ce qui se passe, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, voilà. De là, en fait... Hugo Varne ne nous suivait pas en ce temps-là. Et donc, passer l'émotion, parce qu'il y a vraiment une émotion. Au bout de 15 ans de... Ouais, ça m'a mis des frissons juste de me dire, waouh, putain. Au bout de 15 ans de fan Xbox, on a l'impression que ça y est, on a eu notre récompense en fait. Voilà, c'est pas la manette. La récompense, c'est d'avoir un email tout bête, avec des fautes d'orthographe, en anglais, voilà. Là, je ressens, en ce moment, je ressens ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ouais. J'ai beau avoir 48 ans, j'ai l'impression d'en avoir 12 et d'avoir eu, Thomas était dans tous ses états. Moi, peut-être plus que lui. Parce qu'au bout de 48 ans de jeux vidéo, on se dit, c'est fou. Et on envoie un message public à Hugues, qui est encore disponible, qui est encore visible. Ah, ouais. Et on lui dit, Thomas lui dit, j'ai parlé avec ton patron. Donc forcément, Hugues a trouvé ça un peu bizarre, il a dit « Ah bon ?» Et puis il lui a tout de suite demandé de venir en DM pour qu'il explique. Donc, c'est génial. Donc Thomas lui explique, lui envoie des screenshots, des screens en fait de la conversation, enfin une conversation, voilà. Donc, Hugues explique que même lui, il a déjà du mal à avoir... Je me doute. Voilà, et nous, on a déjà ça. Et puis l'effet, c'est fait que Hugues nous suit. Une fois que Hugues nous suit, forcément, ça fait un petit peu le tour. D'autres personnes remarquent certaines choses. Et ça nous ramène d'autres personnes. D'autres personnes, forcément. Ça fait
ça fait boule de neige. Et puis un jour, donc c'est Hugues qui nous explique ça. Donc il rencontre Phil Spencer, donc il y a un an maintenant, un petit peu moins d'un an. D'accord. Donc il rencontre Phil Spencer et Phil Spencer parle de Thomas. Donc il dit, en fait, il pose la question à Thomas, il dit à Hugues, alors c'est qui en fait ce gamin? Est-ce que on se méfie sur Twitter, hein? Oui, on sait pas, voilà. Alors il est suivi par 1 million de personnes, mais lui il suit que 900 personnes. Donc il pose la question à Hugues de savoir s'il connaît Thomas, si c'est quelqu'un de correct, si c'est vraiment un gamin de 13-14 ans, si tout est vrai, si c'est pas tout ça. Voilà, parce qu'il ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Hugues lui donne l'aval, en fait, lui dit que voilà, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc on est suivi par Phil Spencer sur Twitter. Non. Donc là, deuxième effet qui se coule. On se demande ce qui se passe. On est dans un autre monde. Ma femme se fout de nous parce qu'elle trouve ça, complètement stupide et complètement voilà. Nous, on est complètement aux anges. On court dans la maison. Voilà. Et puis on a des conversations. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ce monsieur doit avoir un emploi du temps de dingue. C'est un grand patron. Ma femme est patron aussi, elle a sa société, elle est hyper occupée, donc j'imagine que lui, ça doit être... Ouais, ça doit être quelque chose. Mais juste un merci de temps en temps, en DM, quand... Alors, Thomas sait aussi faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il ne le harcèle pas. Oui. C'est vraiment quand il y a une question, quand il y a quelque chose, quand il... Voilà, qu'il lui pose des questions. Il ne pose jamais des questions sur des questions secrètes. Ouais. C'est vraiment... La dernière, je me souviens peut-être pas de la dernière, mais voilà, il a juste signalé qu'il passait en troisième, quoi. Ouais. Voilà. C'est rien, mais. Et qui nous répond, félicitations. Voilà. C'est pas grand-chose, voilà. C'est des petits bouts comme ça de textes. Alors, il y a des moments, des textes plus longs que je peux pas parler, parce que je suis tenu au secret. Normal. Et ça aussi, c'est bien d'avoir des petits secrets. Et c'est vrai qu'avec Phil Spencer, alors, on se permet pas trop de le dire. On nous a demandé d'être discret. Ouais. Voilà, d'être discret. En tout cas, l'anecdote, elle est magnifique. Je voyais un peu Lucas et Nico qui étaient comme moi en mode. Ça montre que voilà, c'est pas d'une mentalité. On peut malheureusement craindre que l'accessibilité, on pourrait se dire, c'est du business, c'est pour bien se faire voir. Mais on voit derrière, comme tu l'as dit avec Hugues, avec Phil Spencer, que derrière, il y a des vraies personnes. On sent qu'ils sont impliqués. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être malheureusement commercial. Alors je pense que d'autres sociétés feraient ça pour être dans le commerce. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que j'adore Xbox et que je suis vraiment fan absolu, mais on a l'impression que c'est pas dans le but d'eux. De toute façon, il a rien à gagner avec nous puisqu'on a déjà nos consoles, on a déjà on a 4 Xbox à la maison, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc moi je pense nous on l'a vu au FanFest l'année dernière, les choses qui ont été mises en place à la fois par Hugues, par Florian Vogel qui travaille aussi, donc qui est bien passé chez Xbox, qui s'est organisé tout ça. Max aussi. On voit qu'il y a une équipe derrière, et là l'anecdote sur Phil Spencer est très belle. Elle est vraiment belle et ça montre que voilà. C'est... En fait, je sens pas la Team Xbox se rencontrer et dire on va faire les gentils, on va faire les mecs qu'on est potes avec tout l'ensemble, donc la planète entière, que ce soit Xbox, Italie, UK, etc. On sent bien que Microsoft a été chercher des gens passionnés. Et des gens qui aiment vraiment les autres personnes. Si on ne correspond pas, on n'est pas embauché par Xbox, par exemple. Voilà. C'est une belle mentalité qu'on aime voir dans le jeu vidéo. On voit que sur Phil Spencer, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup parce que on voit que dès qu'il est arrivé, c'est quelqu'un qui aime le jeu vidéo, qui aime les joueurs. Et là, cette anecdote, je suis content parce que j'ai appris des anecdotes sur d'autres personnes du jeu vidéo qui m'ont un peu refroidi en disant « Ah !» Et là, c'est une très belle anecdote que je suis bien bien content que tu m'aies partagée. Voilà. Écoute Olivier, je te remercie énormément, c'était vraiment passionnant. C'est le rituel du Tour de France, on ne vient pas les mains libres, les mains vides. C'est les mains vides. Et tu vois, donc nos partenaires cette année,
nous ont offert plein de cadeaux. Donc nos partenaires, c'est Core Media. Je ne sais pas si tu connais, c'est le distributeur, le principal distributeur de jeux vidéo en France. Donc Core Media, Rockstar Games, Micromania, La Touche Geek, ce sont tous nos partenaires qui nous offrent plein de choses. Donc tu as des t-shirts, des jeux Xbox, tu as des goodies, tu as tout ça. Et il y en a aussi pour Thomas, parce que comme on devait le voir, donc je te le remets. C'est merci. Avec un énorme plaisir que nous te remettons. Donc le petit sac d'Earth Rally, mais tu verras dedans, il y a plein de choses. On espère que ça vous fera plaisir. Et on espère surtout vous revoir. Est-ce que cette année, vous allez venir à la Paris Games Week? Alors là, il y a ce week. Alors cette année, il y a du positif et du négatif. Ah. Alors le positif, c'est que donc on est attendu par beaucoup de personnes. Ouais. Donc on est attendu par le sel. Ouais. Hein, déjà, puisqu'on a eu une interview il n'y a pas longtemps par le CEL, donc on est attendu, on est invité déjà par eux. D'accord. On est attendu par, Xbox. Par Xbox, forcément, puisque Hugues. Hugues Ouvrard, le patron Ouvrard, de voilà, Xbox France, qui a est eu, très, très engagé dans tout ce qui est l'accessibilité. On se souvient que l'année voilà, dernière, ouais. Ils avaient fait le FanFest qui avait été tout reversé à l'association Cap Games. Ils avaient invité Hichem, donc alias DJH. Tout le stand Xbox l'année dernière était complètement adapté pour les joueurs en situation de handicap. Il y avait des Xbox Adaptive Controllers sur tous les stands. Voilà, ils avaient vraiment fait quelque chose. Donc voilà, Hugues Ouvrard, on en parle depuis tout à l'heure. On parle de Hugues, c'est lui. De Hugues, ouais, Hugues, ouais. Forcément. Donc là, il nous a fait un très beau cadeau en fait. Il nous a fait un super cadeau. On pense toujours qu'un super cadeau, c'est forcément une console de jeu, oui, un jeu vidéo. Voilà. En fait, il nous a fait un beau cadeau. Nous, on a mis 45 minutes pour faire Lille-Paris en TGV. Et Hugues a mis une heure aller, une heure retour pour traverser Paris, juste pour venir nous voir 10 minutes. Ah ouais. Voilà. Alors qu'il était occupé, qu'il était en vacances, qu'il avait des choses à faire. Voilà, je trouve que c'est un super cadeau. On n'a pas besoin d'avoir forcément une manette, tous ces bricoles-là. On peut les acheter, on peut se les trouver nous-mêmes dans des braderies. C'est ce geste de ouais, faire une heure, enfin deux heures de route aller-retour, juste pour dire coucou, juste pour faire une photo et de repartir. C'est génial. Voilà, parce qu'il avait envie de voir Tom, parce qu'il avait envie de nous voir. Et comme je disais, on est attendu par beaucoup de personnes à la Paris Game Week. Malheureusement, Tom ne sera peut-être pas là. Voilà. Il se sent pas. Alors c'est pas qu'il se sent pas, c'est qu'en fait il a des projets sur ses études archéologiques. Ça commence à, enfin il s'est rendu compte que c'était très compliqué, que ça devait passer avant tout. Oui. Et donc apparemment pendant les vacances d'octobre, il sera aussi dans une sorte de colonie archéologique. Et donc ça correspond pas avec les dates. Ah. Donc il y a peut-être une chance pour qu'il ne soit pas là en fait. D'accord. Donc je remplacerai avec plaisir bien sûr bon. sur le CEL, sur Microsoft, etc. etc. Ok, voilà. Eh bien, écoute, on espère te voir toi. On espère Thomas te voir si ce n'est pas à la Paris Games Week, mais c'est incessamment sous peu. Comme on dit, ce n'est que partie remise parce que voilà, comme on dit, on est déjà en projet de vouloir faire une édition 3. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on passe à Lille, jamais 203. En tout cas, je te remercie énormément parce que c'était vraiment incroyable. On a vraiment appris pas mal de choses. Tu as été au top, vraiment. C'était un plaisir de te découvrir. On mettra dans la description de la vidéo ton article sur Xbox Squad, celui de Thomas. Si vous avez des questions, si vous avez des informations à demander, n'hésitez pas. On mettra le Twitter de Thomas également si vous voulez lui poser des questions. Tu pourras voir les questions. Et moi, je te remercie encore, vraiment. Je remercie encore une fois Nicolas, Lucas qui sont hors caméra, qui font un travail titanesque. On vous remercie, vous, de soutenir ce projet qui est fantastique. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les autres épisodes qui arrivent et de suivre Olivier et son fils Thomas sur les réseaux sociaux pour en découvrir un peu plus et pourquoi pas jouer avec vous. Voilà. Voilà. Alors, par contre, ça aussi, c'est un peu compliqué. Ah. Dire Thomas ne joue pas sur Xbox Live. Ah, il n'y a que toi. Alors, en fait, non. C'est-à-dire que C'est-à-dire que Thomas ne parle pas aux gens, il écrit. D'accord. Et donc si vous jouez avec Thomas, il ne vous parlera pas. D'accord. Il ne connecte, voilà, il va avoir son casque, mais il ne parle pas. D'accord. C'est pour ça qu'on ne fait pas de vidéo, c'est pour ça qu'on ne fait pas de YouTube, c'est pour ça qu'on ne fait pas tout ça, parce que nous, on préfère l'écrit. Ouais. On se sent mieux à l'écrit que de toute façon, on n'aime pas se voir, on n'aime pas discuter, on n'aime pas parler avec les gens à la base. En fait, tu nous as fait un beau cadeau là. Ben, disons que là, on commence à être rodé quoi, avec tous les interviews. Ouais. Ouais. Ça y est, on commence à être rodé. Ouais. Eh ben, je peux te dire une chose, en toute honnêteté, tu as été au top. Bon, voilà. C'est parfait. Voilà, donc ça va faire une très belle vidéo, on est très contents. On se dit à très vite tous et encore une fois, merci Olivier. Merci à toi, Chris.